Salut les petits loups, c'est Revan et nous voici pour un nouveau Walkthrou Oldies. J'ai choisi ici Tortue Ninja sur Game Boy. Et oui, hein, au lieu de faire la version NES, je fais la version Game Boy, mais l'histoire reste la même parce que April a été kidnappé par Shredder. Tortue, vous devez sauver April. Oui, je parle plus vite parce que je connais maintenant, à force de recommencer l'enregistrement de cette vidéo, je connais par cœur. Donc ce jeu est très très différent de la version NES. Parce que ben déjà, c'est un jeu de plateforme pur. Hein, y a pas de passage un peu à la Zelda sur une carte. Et on a le choix des niveaux et que vous voyez, ils sont au nombre incroyable de 5. Ouais. Bon, c'est bien, on peut choisir son niveau. Ensuite, on peut aussi choisir ses touches. Donc, attaque bouton A, jump bouton B. C'est un peu bizarre parce qu'habituellement, je sais pas si vous vous souvenez des manettes NES et du Game Boy, mais le A était le bouton à l'extrémité droite. Autrement dit, c'est le bouton qu'on utilise généralement pour le saut. Et là, ils nous foutent l'attaque. Bon, on s'en fout, on peut changer. Donc, bah moi, je vais vous faire tout ça dans l'ordre, hein, mes petits loups. Donc là, je vais choisir ma tortue maintenant. Bon, contrairement à la version NES, ici, ça n'a aucune importance. Que vous preniez l'un ou l'autre, et eh ben ils ont tous la même force, il y a juste le skin de l'arme qui va changer. Autrement dit, rien. Ok, donc ben moi j'y vais avec Raphaël. Ah, quelle musique. Ah, ça fait remonter de vieux souvenirs tout ça. Hein. Et oui, hein. Bon bah je parle bien sûr pour les vieux, hein. Pour les jeunes, bon ben vous n'avez, je présume, jamais connu Tortue Ninja, hein, le dessin animé, hein, à moins que vous ayez regardé bien sûr le petit spécial du joueur du grenier, là, bien sûr, vous savez de quoi je parle, avec, bon, on va arrêter de parler un peu du dessin animé, quoique, qui était vraiment sympathique, et concentrons-nous un peu sur celui-là, qui est très très sain comme vous pouvez le voir quoi. Franchement c'est... Et je vous dis que c'est pas... Ça va pas... Ça va un petit peu se corser vers la fin, mais franchement c'est... C'est largement faisable quoi. Le jeu n'est vraiment pas dur. La preuve, j'ai réussi à le faire pour m'entraîner. Alors que ça faisait... Oula. Ben... Ça fait bien 15 ans que j'y ai pu jouer à ce jeu. Ouais, ça date hein, quand même. Hein. Ça va faire bien 15 ans, si ce n'est pas 20, que j'ai joué à ce jeu et que j'ai pu jouer depuis. Et donc, bah, je me suis réentraîné. Hein, je me suis entraîné bah, pour vous le faire en Walkthrou, hein, la preuve. Et je dois dire bah, que je pensais galérer un peu. Bah non, quoi, j'ai pas perdu une seule tortue. Donc, je devrais pouvoir faire le jeu. Ben, les doigts dans le nez. Bon, bien sûr, il y a toujours la magie de l'enregistrement qui fait que je vais forcément me planter. Donc, vous me connaissez, hein, maintenant. Hein, dès que j'enregistre, ben, tout de suite, on a l'impression que je fais n'importe quoi. Et je pense à bafouiller, ça va pas du tout aller. Allez, mes petites tortues, on y va. Yeah! Ouais, les hitbox sont quand même très permissifs dans celui-là. Hein. Donc, sinon, bah, les coups sont au nombre incroyable de 3. Oui, enfin, les coups. Le gameplay, on a l'attaque de base, le saut, comme vous avez pu voir. Et si je me baisse, eh ben, je lance des shurikens. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Bon, c'est une Game Boy, hein, on va pas lui en demander trop hein, non plus. Mais bon, le jeu est agréable, les musiques sont d'assez bonne qualité, je dois dire. Et bien sûr, là, le thème du dessin animé, bah, ça nous donne, ça nous replonge vraiment dedans. Et non. Oui, donc là, si elle vous passe dessus, hein, vous perdez des points de vie. Hein. Bon, comme vous avez vu, bah, on a une barre de vie en dessous, hein, avec je sais plus combien de carrés, je crois 10. Et donc, bon. Je vous dis, normalement, là, le boss de premier niveau, je vais le faire en perfect. En théorie, hein, toujours. Hein. Toujours en théorie parce que ça se trouve je vais encore me planter comme d'hab. Mais sinon, ben comme vous voyez c'est sympa. Hein.
Bon, les tortues sont un peu lourdes quand même, on a l'impression de contrôler un 10 tonnes. Mais bon, à part ça, ça ralentit un peu, je sais pas pourquoi. Bon, c'est mon imagination. Ah non, c'est juste parce que j'ai l'impression que ça ralentit à mort. Alors que je suis à 60 FPS, quoi. Donc là, on va attendre un petit coup, ouais. Oui, donc là, j'avais envie de vous faire quelques Hokfu Oldies pour vous poster pour les vacances de Noël. Ah bah oui, hein, quand même, hein, je pense à vous, hein, mon petit cadeau de Noël pour moi, de moi à vous, c'est plein de vidéos. Donc normalement, vous aurez ce Hokfu Oldies, vous en aurez encore un autre. Ah, je sais déjà ce que je vais faire, mais je vais pas vous le dire ici, parce qu'après, ça se trouve, j'ai encore changé d'avis. Donc là, ben, vous restez là et vous martelez votre touche. Oui. Regardez. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, perfect. Oh, j'adore ça. L'ennemi ne doit pas être bien loin. April est en train de crier. Ouais, ça fait un peu bizarre la façon dont c'est tourné. Mais bon, allez, on va changer. On va prendre maintenant Michelangelo. Oh. Niveau aussi qui est pas très très long. Mais en fait, le plus long des niveaux, c'est le premier, quoi. À chaque fois dans les jeux un peu moyens, hein, parce que bon, il n'est pas non plus exceptionnel, à chaque fois c'est le premier niveau qui est dur, et les autres ils sont presque. Ils sont supra courts. Et en fait, le plus court c'est le 3. Parce que là, vous voyez, il y a des changements d'écran, mais dans le 3, il n'y en a pas un seul. Et le niveau il est supra court en fait. Donc on va tuer les ennemis avant qu'ils apparaissent, avant que je me retrouve encerclé, sinon bah... J'ai pourtant un bon PC, mais je vous garantis que j'aurais galéré pour trouver un émulateur qui accepte frappe. Parce qu'il y a bien sûr VBA, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, le son se met à grésiller, et c'est vraiment pas agréable. Enfin, déjà c'est pas agréable pour moi quand je joue, et ça sera pas agréable pour vous lorsque vous regarderez cette vidéo, donc bah... Ben, j'ai galéré, j'ai dû en trouver un qui arrivait à peu près à fonctionner, mais le problème c'est qu'il utilise tellement de ressources, il est tellement mal optimisé, j'arrive souvent à une chute de framerate, et sans raison explicable, parce que j'ai la barre d'utilisation de mon proc et de ma carte graphique, et je peux vous garantir que la carte graphique, elle, pas utilisée pour 1%. Et par contre, le proc, lui, il est à 20%. Ouais, je suis à 20% sur mon i7 et ça trouve encore le moyen de ralentir parce que j'ai l'impression qu'il prend pas en compte tous les cœurs. Ouais, c'est ça aussi qui est un peu chiant quoi, avec les émulateurs et maintenant les PC d'aujourd'hui. C'est que comme on a plusieurs cœurs, il faut des émulateurs qui sachent les utiliser et pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, pour l'instant, les seuls émulateurs que je connais qui utilisent vraiment deux cœurs, c'est l'émulateur pour la GameCube et peut-être PS2, j'en suis pas très sûr. Donc on va revenir à nos moutons. Donc pour regagner de la vie, en fait, vous êtes une tortue et donc vous mangez des pizzas. Oui, tout le monde sait qu'une tortue, ça mange de la pizza. Hein. Voilà. Donc là, si vous tombez, vous mourrez pas. Vous perdez juste des points de vie. Donc vraiment, je vous dis, ce jeu est vraiment un jeu d'une simplicité extrême. Je pense que n'importe qui peut le finir. Franchement, c'est... Il a rien de difficile. Et donc le boss, un peu plus chiant cette fois-ci. Oh. Ah mince. Oh bah. Woo, perfect. Again. Yeah. Ouais bah oui hein, pourquoi pas. Deux perfect. J'espère que j'arrive à vous faire un perfect sur le boss du troisième niveau.
Bon, par contre, les petites cinématiques qu'ils avaient introduites pour de la Game Boy, c'était vraiment sympathique. Oh non! Ils se sont échappés en voiture! Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va les poursuivre. Et là, je vais choisir Leonardo. Allez, c'est parti pour le niveau 3. Avec une musique encore, ma foi, pas désagréable. Non, franchement, les musiques dans ce jeu, elles ont été bien choisies, bien composées. Et surtout, ben, elles sont sympathiques. Donc là, maintenant, vous voyez le petit fond. En fond, on voit la ville. Bon, c'est encore très simple, mais... Non, franchement, pour de la Game Boy, je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc là, ben, j'essaie de vous... Oh, je fais nain. Hein. Oui, là, je vous fais nain. Tiens, mange. Oh, mais... J'arrive plus à les renvoyer, c'est quoi si? Parce qu'on peut renvoyer les trucs qui nous lancent, hein, y a pas de souci. Mais encore faut-il ne pas avoir de main gauche. Allez, on tue tout le monde. Bon bah, je trouve que ce jeu respecte quand même assez bien l'univers du dessin animé, hein, enfin... Ouais, on va dire ça comme ça, parce que c'est aussi un comics. Donc ouais, il le respecte assez bien, hein, parce que les ennemis, bah c'est vraiment les ennemis qu'on a dans le dessin animé. C'est... Ah, en général, hein, quand même. C'est comme si on avait un épisode de Tortue Ninja, hein. Sauf que cette fois-ci, c'est nous qui incarnons la tortue. Voilà, vous avez vu, j'ai pu le renvoyer cette fois-ci. Ouh. Bon, c'est un peu fouillis, quand même. Et bon, bah, c'est sympa. Et bon, compte tenu des proximités de la console, moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Et voilà, on arrive au boss. Ah non, mais je vous dis, c'est très, très court, quoi. Donc là, vous mettez là, et vous martelez votre touche. Et vous vous déplacez. Voilà. Ah mince, j'ai été trop long. Donc, pas de perfect pour ce boss-là. Mais bon, comme vous voyez, c'est vraiment pas... Ils font toujours la même chose, donc ils sont stupides, quoi. Il y a juste les deux prochains boss qui vont être un peu plus costauds. Mais les trois premiers, c'est vraiment les doigts dans le nez, quoi. C'est... Voilà, je vous l'ai dit, c'est... Donc lui, c'était Baxter, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, la mouche. Et donc, ben, vous avez vu, on a eu Bebop, on a eu Rocksteady, et on a eu maintenant Baxter, et donc... Si vous connaissez encore le... Oh! Voici la rivière! Pourchassons-les! Oui, excusez-moi, il faut que... Je parle en même temps, j'essaie de vous faire... les traductions. Donc maintenant, ben, on va prendre Donatello, hein, quand même. Et le niveau là, il est, ma foi, assez sympathique. Donc là, des petits poissons. Bon, maintenant, on commence à avoir un bestiaire qui ressemble un peu moins à... Ouh. Au Tortue Ninja. Ouh. Allez, on continue, on va réussir, hein. Et... On va mourir. Ah, une pizza. Donc vous avez deux styles de pizza. Le quart de pizza qui vous redonne 2 points de vie. Et la pizza entière qui vous redonne toute votre vie. Voilà. Dans le jeu sur NES, vous en aviez 3 sortes. Vous aviez le quart, la demi et la pizza entière. Ici, non. Ils ont viré la demi. De toute façon, ça sert à rien. C'est rare que vous tombiez en dessous de... que vous arriviez à 3 points de vie. Enfin, quoique là, ça va pas tarder à le faire chez moi. Si je continue à vous jouer, à jouer aussi d'une manière aussi déplorable. Mais sinon, bah non, moi je trouve ce jeu, j'aime bien. C'est agréable. Au moins, c'est pas un jeu prise de tête comme Tortue Ninja sur NES. Hein. Même si pour moi, c'est pas un mauvais jeu. Hein. C'est juste que la difficulté est abusée. Et en fait, c'est surtout à cause du gameplay des sauts, quoi, que ça rend le jeu vraiment très très dur. Mais sinon, pour moi, ça reste un très très bon jeu. Hein. Bon, bien sûr, ça a marqué toute une génération de joueurs, surtout la musique lorsqu'on est presque mort. Ça, Georges Dugrenier l'a très bien souligné dans son vidéo test. Mais bon, voilà, quoi, on va pas non plus... Ah bah tiens, il faut le tuer si on veut passer au niveau suivant. Voilà.
Donc là, on avance, hein. C'est pas mal. Ouais. Donc ouais, donc là, c'est vrai, comme vous voyez, ça a vraiment rien à voir avec la version NES, quoi. Et pourtant, il est sorti la même année, si je me trompe pas. Et c'est vraiment pas... À l'époque, on aurait pu quand même penser qu'ils auraient fait un jeu pas similaire, quoi. Enfin, si, quand même, ils auraient pu, mais non, ils ont... De toute façon, c'est pas la même société qui a développé le jeu Game Boy, comme on le voit, hein. Comme on vous avait pu voir de la vidéo, parce que je fais plus de ce qu'il avait fait la première. Oups, sur NES. Bon, c'est pas très grave de toute façon, donc là, comme vous voyez, hein, je suis déjà au niveau 4, j'ai pas perdu une seule tortue. Alors sur NES, ben, rien que le passage du barrage, vous en perdez au moins une. Sauf si vous arrivez à bien switcher à temps. Mais en général, ne comptez pas terminer le jeu sans utiliser au moins un continu, quoi. À moins que vous soyez un speedrunner ou un tool assisted speedrunner, alors là, oui, effectivement. Mais sincèrement, c'est chaud, chaud, chaud. Et on arrive tout doucement à la fin du niveau, si je me souviens bien. Je crois même que ça va être là, je crois. Voilà, et oui. Donc là, Shredder, il faut lui sauter derrière pour le taper, sinon, ben, vous êtes mort. Voilà. Donc lui, encore une fois que vous avez la technique, ça marche tout seul. Parce que lui, il vous fait sacrément mal, par contre. Lui, c'est... un coup, vous perdez 2 points de vie. Ah, ça... Saloupio. Et lui, par contre, il faut le toucher 2 fois pour qu'il perde 1 point de vie. Punaise, mais... Donc voilà. Donc là, vous voyez la technique pour le tuer. Par contre, n'essayez pas avec ça, vous voyez, ça rebondit. Voilà, plus que 2 coups. Allez. Ah bah non, un seul. Ok. Bon, ma fin. Voilà, niveau 4 terminé. Ah, je vous disais, ce jeu, ça va être une rapidité déconcertante, quoi. Je sais pas combien de temps de vidéo je suis, mais de toute façon, je vous fais en one shot, hein. Oh, dépêchons-nous! Voici le Technodrome! Mais bon, là, au moins, ils ont mis Krang. Mince, j'ai spoilé! Ouh, vous allez tous me décapiter à la fin de cette vidéo. Allez, on reprend Raphaël. Oui. Oui, bon, d'accord, j'ai un peu spoilé, désolé. Mais bon, vous doutiez que ça allait être Krang, hein. Ou une version une super méga maléfique de Shredder. Ah bon. Donc là, ben, ne vous prenez pas ça, hein, sinon vous voyez ce que... Oh. Donc là, comme d'hab, hein, on avance, on tue tout le monde. Donc un système de score, bon, encore une fois, c'est si vous voulez comparer, mais bon, de toute façon, c'est le genre de score qui disparaît lorsque vous éteignez la console. Donc en gros, ça sert à rien. Aïe. Faut déjà de me gratter le nez quand je joue. Allez. Donc eux, en fait, vous voyez, le pied est plus puissant qu'une arme. Oui. C'est le seul jeu où là où le pied est plus puissant qu'une arme parce que ces petits trucs volent. Ces petits trucs là, il vous faut 2 coups d'arme. Par contre, au pied, vous les tuez en 1 coup. Et là, ça vous fait... Ouais. Regardez. 1 coup. 2. Oh, punaise, je vais crever. Vite, une pizza. Et vous voyez, 1 coup de pied, ils sont morts. Ah, bien, la pizza, juste au bon moment. Wow. Oh, je joue avec le feu, là. Oui, mais bon, de toute façon, là, je vous dis, c'est vraiment pas... Oh, punaise. Donc là, vous voyez, vous avez la petite vidéo, vous avez le petit audio, et j'espère que je vais pas crever, parce que sinon, ça la foutrait mal, quand même. J'espère recevoir une pizza bien tôt. Punaise, je vais mourir. Moi qui vous dis que je vous l'ai fait sans mourir une fois. Ah, moi que je vous fais... J'essaye de mettre du suspense. Ah ah, c'est peut-être ça aussi, hein. Non, non, je vous assure, c'est vraiment pas volontaire de ma part de mourir comme... De vouloir mourir comme une quiche, hein. Oh, mais vous allez tous crever.
Allez, il me faudrait une pizza pleine, s'il vous plaît. Une full pizza. Putain, au début du jeu, vous en aviez à tire-larigot, là. Bon, on va rester un peu concentré, là, hein, parce que... C'est pas pour dire, mais le jeu commence à devenir plus dur. Et si je fais pas attention, ben, je vais perdre une tortue. Oh, punaise. Je suis mort. Allez, on y va doucement, les gars. Pourquoi je suis aussi mauvais aujourd'hui? Allez, une pizza, s'il vous plaît, soyez gentil. Oui! Oui! Bon, bah, par contre, ils connaissent que les cartes de pizza ici ou quoi? Bon, par contre, contre Krang, comme ça, je vais mourir. Hein. Parce que Krang, il est supra chaud, quoi. C'est bien le seul boss qui est supra chaud. Vous avez besoin de quasiment toute votre vie. Hein. Mais je crois que je vais recevoir une pizza juste avant. J'espère. Wow! Le style. Oui, full pizza. Oui, bon bah voilà, je vais... Donc là, vous bourrinez au corps à corps. Pas d'autre méthode. Et voilà, Tortue Ninja, c'est fini. Ah non, mais c'est hallucinant, quoi. Je vous l'ai dit, ce jeu, il est ultra court. Et là... Ah, nous sommes ici pour sauver April. Pourquoi il peut pas dire autre chose? Ah. Oh, vous m'avez sauvé. Merci, les tortues. C'est la méthode de facilité de faire ça, mais bon, faut pas oublier qu'on est sur NES, sur Game Boy. Et maintenant, un épilogue. Ouais, donc on a détruit les foot, on a tout détruit, quoi, en gros. Et ça, c'est le pouvoir des tortues. Mais qu'est-il arrivé à Shredder et Krang? Ah. Transformé en toast? Vaporisé en milkshake? Là, ils ont quand même le sens de l'humour. Ou échappé vers la dimension X? Ah. Jusqu'à ce que nous savons, aucun de nous ne peut dormir tranquille dans son lit. Je veux dire, carapace. Bon, ok, ils ont pris ça un peu à la dérision, c'est pas mal. Non, c'est rigolo. Ah, et maintenant, on va arriver sur... Et voilà. C'est ainsi que se termine ce Wokfu. Donc, c'est l'heure des remerciements et j'aimerais vous remercier, vous qui me regardez, hein. Encore une fois, hein, je le dis à toutes mes vidéos de fin. Mais c'est vrai que sans vous, je pense pas que j'aurais eu le courage de continuer. Parce que c'est bien beau de vouloir faire des vidéos, mais si c'est pour que être le seul à les regarder, ça fait un... C'est pas terrible, quoi. Donc c'est pour ça que je suis... j'aimerais vous remercier vraiment du fond du cœur de regarder ces vidéos. Et je vais vous dire à la prochaine fois pour un nouveau Wokfu Oldies. Et... Oh, tiens. Et pas forcément. Mais bon, on termine par un game over. Comme à chaque fois. Et en fait, vous n'avez plus qu'à recommencer le jeu. Donc, c'est maintenant sur ces mots que je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau Wokfu. Donc, pardon, juste à la fin. Allez, ciao les petits loups, à la prochaine.